Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 17 de ce Let's Play sur Final Fantasy 7. J'espère que vous allez bien, j'ai perdu mes touches. Ah non, c'est bon, ça y est. Troisième jeu que je fais en... Allez, ça fait 3 heures de tournage que j'enchaîne. PHS. Portable hors service. Il ne peut être utilisé que sur la carte du monde ou sur un point d'enregistrement. Mais c'est super ça. Ça sert à quoi? On s'en va. Ok. Il y a moyen que je puisse le tester avec un point d'enregistrement ou non? C'est vrai que je suis encore ici moi. Je suis ici d'ailleurs, oui c'est vrai. Non, je suis où? Allez, monte. Ils ont passé où, Barrett et Tifa, là? Ouais. Ah non, ça doit être la carte du monde. C'est ça. Donc on va voir un petit peu ce PHS que l'on vient d'obtenir. Non. Oh, c'est énorme! Je vais aimer cette machine. En gros, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, ça permet de refaire le groupe n'importe quand. Enfin, n'importe quand, oui. Je comprends mieux pourquoi on peut utiliser qu'un point de sauvegarde maintenant. Ça permet de refaire le groupe sur les points de sauvegarde. Oui, n'entre pas dans la cuisine. Ok, j'ai compris, je me casse. Ça permet de refaire le groupe juste avant un boss ou des trucs comme ça. C'est pas mal. C'est un bon petit système, j'aime bien. Ouais. Attends, il a dit on se barre, mais on va où? Ouais, ouais, je veux bien, oui, merci. Mais... Et putain, ils sont partis où? Barrett! Eris! Aïe, c'était une porte. Je me casse. Non, moi je veux retrouver Barrett et Aeris. Aeris, arrête de mettre Barrett dans tes cheveux. Ça t'est pourri comme blague. J'en ai rien à foutre. Pétage de plomb. Non. Nizi qui, monsieur? Timouette. Changer l'angle de la caméra. Les indicateurs. Il y avait une faute de frappe. Et sérieusement, ils sont partis où? Vous êtes où, les copains? Je pars. Non, je me casse. 20 giles, c'est trop cher. Hein, 20 giles, c'est beaucoup trop cher. J'ai que 9296 giles. Le gros radin. 20, pauvre giles, c'est beaucoup trop cher. J'en ai que 20 fois la somme. C'est trop cher. En plus, c'est pas vrai. J'en ai pas 20 fois la somme. Je l'ai 500 fois. Alors, on voit un petit peu. C'est sympa. Ensuite, hop. C'est vraiment très sympa comme style de vue. J'aime bien voyager comme ça. J'aurais su que je pouvais voyager comme ça. Je l'aurais fait plus tôt. Oula. Oh, j'en ai marre. Ce jeu me fait faire des bons à chaque fois qu'il y a des combats. Oula. Alors, qui sont les brutasses que nous avons en fin d'aujourd'hui? Ça va m'énerver que ça... Eh non, pour une fois, la souris fonctionne. Sérieux, en 60, hein, je sais qu'il pète un câble encore. Oh là là, ça m'énerve. Qu'est-ce que vous voulez la saisir? Meurs, saloperie. Bon,
mon émulateur qui me fait des caprices, ça m'énerve. Qu'est-ce que je viens de faire là? Quoi? Il vient de se passer quoi? J'ai des drops, c'est horrible. Bon, je dois aller où sur la carte? Je crois que je vais faire une ellipse le temps de trouver où aller. Ouais, je crois qu'on va faire ça en fait. Ah, fin du combat. Ouais, allez, ellipse. Allez, les gars, on est attaqué par des autruches. C'est quoi ces ennemis, sérieusement? Après les maisons, on a les autruches. Ah, quand il disait que la nature nous en voulait, je pensais pas à ce point, quoi. Là, même les autruches, elles veulent nous tuer, quoi. Oh là là. Bon, allez. Bon les gens, on atteint les chocobos. On a atteint la ferme aux chocobos. Je sais pas si c'est là qu'il fallait aller, mais je m'en fous. Peut-être que c'est là. Je pense que c'est là qu'ils vont après avoir obtenu. Ouais. Faut que je me fie à des souvenirs d'une seuil MP3 pour savoir où aller, donc. Oh. Il me semble un serpent de plus de 9 mètres de haut, c'est tout. À droite. Allez, c'est parti. Je vous donne un chocobo, monsieur. Eh, monsieur, je veux un chocobo. Oui, donne-moi un. Hein. Vous n'avez non plus, je vais prendre soin de ceci. Vraiment, je vais devoir aller en attraper. Quoi? Nombreux dans cette région, mais si tu ne disposes pas d'appât pour chocobo, ils ne viendront pas sans par nature des animaux très créatifs. Ouais, de l'appât pour chocobo. Ah, ils viendront vers toi, sinon tu ne les verras pas. Quoi d'autre? On va voir si... Sniff. Oh, vas-y, file-le. Un gars qui voulait pas filer 20 gil à une pauvre dame au début du truc, il file 2000 gil à un gamin. Vas-y, file-moi des super légumes, mec. Oula, c'est quoi cela? On va en acheter un parce que c'est cher. Ah oui, les légumes Gizal aussi, tiens, on va redescendre à 3000, comme ça on est des gros radins, on a perdu tout notre fric. Chouette. Bon, je sens que ça va être la partie intéressante de l'épisode.
J'avais oublié de redémarrer le chrono. Bon, on va dire qu'on en est à peu près à 12 minutes. Ah non. C'est là en fait qu'il va falloir se balader dans ces trucs là, je crois. C'est ce qui me ressemble le plus à des empreintes de chocobo en fait. Alors je vais tourner en rond ici, au milieu des empreintes. À moins que... Ah, attendez, attendez. Attendez. Vous sentez la boulette? J'ai plus de place. Et vous sentez la grosse boulette du mec? Voilà, qui va tenter d'aller capturer les chocobos sans activer la peau à chocobo. Ah là là, qu'est-ce que je suis vrai. Ah non, raté, pas Cloud. Et Tifa. Pas Tifa. Ah, est-ce quand on veut en croiser des monstres qu'on n'en croit jamais? Mais je veux pas des autruches, moi. En plus, c'est ma tech. Y'a pas moyen de fuir les combats comme dans Pokémon, bordel. Là, elles attaquent avec le bec. Vous allez voir si elles font coup de bec. Voilà, elles attaquent avec les pieds, j'ai pas compris là. C'est. Allez mettre la logique dans vos derrière. Parce qu'il n'y a aucune logique. Les oiseaux font des coups de bec avec les pieds. Mais oui, bien sûr. C'est la solution à toutes les énigmes du monde. Le pied, c'est les becs. Il y a moins de lag que tout à l'heure, j'ai trouvé. Hein. C'est comme toujours le même argument, hein, c'est Steam. Qui bouffe de la RAM pour rien. Au revoir. Hello. Ah, ok, c'était totalement random. Hop là, allez chez Krishi, Kaho, Keiho. Une super potion, intéressant. Bon. Et messieurs, je croyais que les chocobos c'était rare. Enfin c'était... Oui c'est rare en fait. Merde. Je raconte totalement des conneries. Et j'espère que c'est pas cette espèce de canard là les chocobos parce que... Oh. Chocobo. On va lui balancer. Non. Mais le con. Il est mort. Et ils veulent que j'attaque le chocobo, on dirait. Oula. On va lui balancer une graine guisale. Voilà. Non. Oui. Nickel. On a capturé notre chocobo. Tu veux descendre du chocobo, appuie sur la touche annuler. Parce que c'est l'endroit où je dois aller. Hein.
Oui. Ah. Oh, ouais, d'accord. Punaise, les gens, j'ai trouvé où aller. Pour une fois. Eh, mais je pense qu'on va bientôt tarder. On va bientôt tarder. Pas tarder à s'arrêter. Ah non, en fait, ça va, on en est qu'à 19 minutes. Sérieusement, il a empalé un serpent sur un arbre. Il rigole pas. Hein. Allez, ah d'accord. Il y a un serpent qui nous court après. On va peut-être l'affronter alors ce serpent. Oh là là. Il a one shot Tifa. Ça sent moisi. Ouais. Ça sent le moisi. Il va me one shot Cloud. On a pas dû l'attaquer en fait. En fait non, il le one shot pas, mais je suis mort de toute façon. Ah bah oui, Blacksmith, vas-y. Oh oui. Il va me tuer. Bon, on reprend d'où? Ah, à la dernière sauvegarde. Attendez, j'en étais où à la dernière sauvegarde? D'accord. Bon. Je crois que c'est F3. C'est ça. Voilà. Vive les sauvegardes rapides. Je vais en faire une plus souvent, je crois. Voilà. Donc, grâce à ça, on a évité la cinématique d'avant. C'est magnifique. Bon. Super. Bon, l'épisode sera un peu plus court que d'habitude, mais on va s'arrêter là. Ne pas aller taper le gros serpent. Ne pas aller taper le gros serpent. Ne pas aller taper le gros serpent. L'épisode sera un peu plus court que d'habitude. Néanmoins, j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve, bah, je pense, là, du coup, j'ai décidé de l'arrêter là pour simplement retourner jusqu'à la ferme. Hein. On va retourner jusqu'à cette saloperie de ferme qui est à Perpète les Boyaux, c'est-à-dire là-bas. Hein. Je vais retourner hors caméra, je vais recapturer le chocobo, puis je ferai une sauvegarde rapide à ce moment-là. Enfin, une sauvegarde tout court même d'ailleurs. Regardez, je vais en faire une maintenant. C'est-à-dire en faisant ça. On va tout de suite aller enregistrer. Pour finir. Donc, ne pas oublier, serpent imbattable. Tout simplement. Pourquoi je me suis attaqué à ce truc ? Ma OS. Bon, et eh bien j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. Salut tout le monde.